D'accord. La loi t'est punie, hein. Même si c'est ton propre argent sur lequel tu mets du feu, c'est puni par la loi. Allez voir les juristes et ils vont vous donner avec exactitude l'article qui punit ce genre de comportement. Alors, Maricole, au vu de ce que Santia vient de nous mettre sur le plateau là, est-ce un argument de plus qui vient confirmer que la femme est terrible? Directement, oui, comme ça. Vous savez déjà mes positions sur les choses comme ça. Non, je ne veux pas dire La ça. défense est toujours assurée, hein. Vraiment, du Mais tout. cette fois-ci, je vais voir comment vous allez vous défendre, puisque les faits sont là. Bon, oui, c'est vrai qu'en réalité, ce qu'elle a fait est déplorable. Non, c'est déplorable, c'est même condamnable. Parce que, en réalité, c'est l'argent. Oui, il y a des personnes qui vont nous dire, ah, l'argent, c'est vanité des vanités. Oui, même si elle brûle cet argent, il peut encore travailler. Pour en Pour avoir en encore. avoir encore. Mais la raison cachée derrière ça, C'est quoi? c'est quoi? Le fait que monsieur veut épouser Une seconde. la petite Sœur, sœur de oui. la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, la petite sœur. Le Donc, monsieur vous l'a voyez, dérangé. juste voir. Vous comprenez maintenant, Il l'a heureusement, dérangé. vous venez, vous Comment il veut épouser la petite sœur de sa femme et mettre sa femme où? Il veut épouser justement. toute une famille? Je vous Et imagine. son accepte, va me dire que je vais épouser Il ta m'a dit mère. que j'ai épousé. Voilà. Autant de choses. C'est la raison pour laquelle. Je vais dire que je ne peux pas blâmer la femme complètement, mais je pense qu'elle pouvait également contrôler ses émotions, parce que ce n'est pas cet argent qui allait épouser sa petite soeur. Oui, donc cet argent va plus tard le servir. Oui, mais je ne sais pas si au moment où elle voulait cet argent dans sa tête, elle se disait que c'est avec cet argent qu'on allait doter ma petite soeur, je ne sais pas. Donc autant de choses. Peut-être elle savait dans sa tête, peut-être monsieur a eu à dire ça. Passant comme ça un jour dans les querelles même. Donc, la femme a mal fait, d'après moi. Elle a mal fait parce que le fait de brûler cet argent, est-ce que cela va changer même la décision La de décision de monsieur. monsieur? Parce que peut-être monsieur, même avec ça, monsieur va encore s'entêter. Connaissant comment les hommes agissent des fois, à un moment donné, quand vous prenez des choses comme ça après le corps, c'est où lui-même il prend le dessus. Et il dit, ok, comme tu veux me montrer Très peu, que. c'est comme ça. Voilà. On va porter le même pied de pantalon. Mais ici, on va plutôt d'abord se questionner hein, sur le fait que ce monsieur, on ne refuse même pas qu'il prenne une deuxième femme. Mais il prend une deuxième femme où? La petite sœur de sa femme. Sacrilège. Même pas peut-être la cousine. Même si c'était la cousine, on est en Afrique. On a nos us et coutumes, on a nos lois traditionnelles.
D'accord, on peut témoigner sans risque de se tromper que ce comportement remet, voilà, au vu et au su de tout ce que la femme adore, le carburant, l'odeur du carburant. Parce que si elle va là-bas, ça veut dire qu'elle ne peut pas aller bosser sa femme. Non, quand on dit l'odeur du carburant, ici, là, c'est les fafiou, c'est de l'argent. Parce que si sa soeur souffrait dans le mariage, elle ne pouvait pas aussi accepter d'épouser son beau frère. Mais j'ai un problème avec